Monsieur Smaïna Merouch, bonjour. Bonjour, madame. On le vit et on le constate depuis quelques jours. L'eau coule de moins en moins dans les robinets. La situation hydrique est difficile, complexe, compliquée et complexe, monsieur Merouch. Effectivement, donc depuis 3 années exactement, donc les précipitations, il y a eu une diminution drastique des précipitations à travers surtout la région ouest, la région centre du pays. Par contre, la région est est beaucoup mieux arrosée. 3 années de diminution des précipitations d'environ 35 à 40% par année, ce qui a fait qu'il y a une diminution drastique des volumes d'eau emmagasinés dans les barrages. Cette situation nous a conduit à lancer énormément de plans d'urgence pour pratiquement 20 wilayas à travers le territoire national. Certains programmes d'urgence ont donné des résultats parce que le déficit était gérable en matière de volume d'eau. D'autres, par contre, la situation est un peu plus lourde. Le programme d'urgence est en cours de réalisation. Il est aussi en cours de confortement par d'autres solutions alternatives. On va le regarder tout à l'heure en tête. Mais quel est le volume actuel dans les barrages, puisque certains disent qu'Ord Daara serait à moins de 20% de ses capacités? Beaucoup moins de 20% de ses capacités. Les six barrages qui alimentent la capitale en eau sont maintenant à moins de 15% de leur capacité nominale. 15% pour un barrage, c'est le volume mort. Donc c'est le résultat de trois années où il n'a pas beaucoup plu. Même dans les mois où il y a eu de la pluie, c'était des pluies fines où il n'y a eu pas beaucoup d'écoulement dans les ouèdes. Et c'est les crues d'ouèdes qui alimentent les barrages. Même s'il pleut, si l'ouède n'est pas en crue, le barrage n'est pas correctement alimenté. Mais avant d'arriver aux coupures et au rationnement en alimentation d'eau, fallait-il agir plus tôt, puisque cette situation, comme vous le déclarez à l'instant, est suivie de près et on la vit depuis plus de 3 ans. Effectivement, donc on a vécu ça et on est en train de vivre ça depuis plus de 3 ans. Donc les cycles hydrologiques, personne ne les maîtrise. En 2020, on se disait qu'en 2021, donc on a regardé les statistiques et les statistiques données des précipitations dans l'Algérois de l'ordre de 700 mm par an, avec des crues des ouèdes, avec des apports au niveau des principaux de barrages d'Ara Bni Amran et surtout de Tessardour, qui étaient rassurants. Mais malheureusement, on l'a vécu, tout le monde l'a vécu cette année, janvier, février, aucune goutte, mars, avril, quelques précipitations, mais des précipitations très bénéfiques pour l'agriculture, mais qui n'ont pas mis les oies dans cru, donc qui n'ont pas alimenté les barrages, et c'est un peu la conséquence de cette situation. Mais certains disent aujourd'hui que les eaux des pluies ne sont pas captées au niveau des barrages, elles sont versées dans la mer. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Parce qu'on n'a pas réalisé les infrastructures qui arrivent aujourd'hui à capter toutes ces eaux de pluie. Quel est votre question? Mais madame, maintenant on est en train de parler des systèmes de captage au niveau des barrages et des systèmes fonctionnels. Lorsqu'on dit que les barrages ont connu un volume bas de leur capacité de stockage, c'est par rapport au système aval. Donc maintenant, dire qu'à travers le pays, il y a encore des sites où on peut construire des barrages, effectivement, il y a encore quelques sites où on peut construire des barrages, mais ils ne sont pas nombreux. Donc dans notre pays, la capacité en eau, elle est de pratiquement 18 milliards de mètres cubes. Si on devient, même si demain, on devient les champions de la collecte et aucune goutte ne va en mer, on ne pourra capter que ce que la nature nous donne. Et ça reste insuffisant pour un pays continent comme le nôtre. 18 milliards de mètres cubes, ça reste très insuffisant. Mais pour justement les eaux de pluie, on n'arrive pas à les capter dans leur totalité. Et chaque goutte perdue, c'est aussi une situation d'urgence qu'il va devoir mettre en place. Les systèmes actuels de distribution, de captage d'eau, de distribution, de traitement, sont calés par rapport aux barrages existants. Donc maintenant, si à l'aval d'un barrage, il y a quelques écoulements vers l'ouest, il y a des solutions, on est en train de lancer des études pour capter. Avant l'embouchure, avant le rejet en mer, énormément d'ouvrages et les études sont en cours. Mais ce n'est pas la solution dans les médias. La solution, parce que là aussi, il faut investir en barrage, il faut investir en ouvrage de traitement,
en ouvrage de transfert. Donc là, c'est pourquoi on s'est tourné vers d'autres alternatives et d'autres solutions. Justement, par rapport à ces alternatives, dans les médias, un plan d'urgence a été adopté. Il prévoit plusieurs options. Une des options, l'efforage immédiatement. Les capacités de l'Albien sont suffisantes aujourd'hui. Il n'y aura pas une situation de surexploitation de ces capacités. Ou alors, c'est la seule, pour le moment, alternative, en attendant, bien sûr, les autres options. Oui, l'une des solutions, c'est d'aller vers la réalisation de forage. On est en train de le voir. On a lancé un vaste programme, surtout dans l'Algérois. On a lancé déjà jusqu'à présent 170 forages. Il y a une nouvelle opération pour 120 forages pour l'Algérois. Les délais de réalisation moyens d'un forage, hein, réalisation, équipement et raccordement d'un forage en électricité et en canalisation, c'est de l'ordre de 2 mois maximum. Donc nous avons les entreprises publiques, aussi publiques que privées, opérationnelles dans les médias, et c'est la solution sur laquelle on doit compter et qu'on a mis en œuvre sur terrain. Ça nécessite un financement. Le financement a été mis en place par le gouvernement. Donc maintenant, les finances sont là, les opérations sont mobilisées, l'entreprise sont mobilisées, les travaux se déroulent correctement sur terrain. À la question de savoir est-ce que la nappe peut supporter. Parce qu'on va taper fort dans la nappe. Donc ces forages, on va les réaliser, on va les exploiter pour les 2-3 années à venir. On va taper fort. On va pomper lourdement dans la nappe. Mais dès que les solutions définitives sont mises en place, on va laisser la nappe se reposer. Et bien sûr, en parallèle, on est en train de développer aussi des solutions techniques avec l'Agence nationale des ressources hydrauliques pour la réalimentation des nappes. La réalimentation artificielle des nappes, surtout dans l'Algérois, dans la nappe de la Métidje. Mais 120 forages dans l'Algérois, d'autres localités sont concernées aussi, oui. Puisque cette situation hydrique est vécue par pratiquement 22 wilayas. 22 wilayas, pour les 22 wilayas qui ont vécu ce stress hydrique, des solutions ont été mises en œuvre. Et si on commence par l'ouest, surtout à Belabès, donc le barrage de Sidi qui alimente la ville de Belabès aussi, a connu un très faible de remplissage. Des solutions sont en cours. Les projets de raccordement de la ville de Belabès et des communes limitrophes au chef-lieu du wilaya à partir de la station de dessalement et du barrage de Sikabi. Donc les travaux se terminent d'ici le mois de juillet et un renforcement par cette nouvelle ressource pourra garantir l'alimentation en eau potable de la population de Sidi Belabès en attendant l'hiver prochain. Dans d'autres wilayas, dans la wilaya de Steif et la wilaya de Borj, donc il y a eu le transfert à partir du barrage Ghelemda. Il est fonctionnel, on transfère l'eau du barrage Ghelemda vers le barrage Mehouen dans la wilaya de Steif pour alimenter les 11 communes qui sont raccordées à ce système. Et du barrage Mehouen, on est en train de lâcher l'eau pour alimenter, pour renforcer l'alimentation du barrage de Inzeda qui alimente le chef-lieu de la wilaya de Borj et 6 communes de la wilaya. Donc, il y a eu ces projets. Le troisième grand projet, c'était le projet de mise en, donc la mise en service à partir du barrage Oujit Mellek, une nouvelle station de traitement, qui alimente Tebessa, qui était auparavant alimenté à partir du barrage Indelia, qui lui-même alimente Tebessa et Sogaras. Son niveau était bas. Donc on a alimenté Tebessa à partir de Oujit Mellek. Maintenant, le barrage Indelia reste exclusivement pour alimenter la wilaya de Sogaras. Donc on a réglé définitivement la problématique pour ces deux wilayas. Il y a eu aussi la mise en service d'une station de déminéralisation qui peut produire 12 000 m3 jour pour renforcer donc la wilaya de Sogaras. Pour certaines wilayas qui ont connu un déficit en matière d'eau de surface, des solutions ont été mises en place et le programme et le problème est relativement réglé. Pas à 100%, mais il est réglé pour pouvoir passer un été correct et attendre les prochaines pluies. Par contre, pour les wilayas du centre, donc les wilayas du centre qui sont au nombre de 8 wilayas, donc l'Algérois, Alger, Boumerdès, Siti Passa, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou. Donc, il y a des solutions qui ont été mises en place par le transfert pour l'Algérois de l'eau à partir du barrage Gré,
Donc ce transfert est fonctionnel. On transfère l'eau brute à partir du barrage Gharib vers le barrage Boroumi, qui renforce la partie ouest de la capitale et en partie partiellement la wilaya de Blida. Donc on est en train aussi de réaliser un programme de 70 forages, donc 75 forages exactement financés sur les financements de CA et 100 forages sur le budget de l'État. Ce programme tire presque à sa fin, donc énormément de forages ont été mis en service, ce qui a permis donc d'assurer, de stabiliser une alimentation au niveau de Blida, au niveau de Tipazan, relativement à Alger, en attendant que le programme des 120 forages soit lancé. Donc, réaliser des forages en cette période, c'est la solution. C'est la solution. Vous parlez de ces mesures, bien sûr, temporaires, qui ne sont pas totalement définitives, en attendant, bien sûr, de mettre en place d'autres mécanismes. Mais ces solutions, aujourd'hui, temporaires, vont permettre d'alimenter un jour sur deux, rester sur le programme de rationnement qui a été mis en place au niveau de toutes ces wilayas, notamment celle du centre, les 8. Effectivement, donc ce programme permettra de rester sur un programme de distribution. Ce programme de réalisation d'infrastructures permettra de rester des sur forages. Un programme de stabiliser la distribution, d'assurer une distribution quotidienne avec une plage horaire de 6 heures en moyenne pour un nombre de communes. Un jour sur deux, mais avec une plage plus large pour le reste des communes de la wilaya d'Alger. En attendant, bien sûr, un deuxième programme qui est en cours et qu'on va regarder tout à l'heure. Justement, ce deuxième programme qui est en cours, c'est la solution définitive, aller vers le dessalement qui est devenu aujourd'hui une solution incontournable. C'est le cas, on va installer des centrales. Oh oui, c'est évident d'installer rapidement des centrales. Aller vers le dessalement, c'est la solution qu'a retenu le gouvernement. Depuis plusieurs années, la stratégie, c'est d'arriver à l'horizon 2030 à assurer 50% de l'eau nécessaire pour l'alimentation en eau potable à partir du dessalement d'eau de mer. Donc des études ont été lancées sur le terrain, énormément de stations de dessalement ont été étudiées et finalisées. Une station de dessalement qu'on a appelée la station Alger Ouest, qui devait être implantée en premier lieu au niveau de Zeralda, puis on l'a délocalisé pour des problèmes de terrain sur Fouca depuis 2018, une station de 300 000 m3 jour. Cette station devait garantir une autonomie donc, en matière de ressources, ne dépendre à ce moment-là des autres surfaces qu'à hauteur de 25% pour la capitale. Et bien, les besoins seront assurés par les eaux souterraines, les eaux dessalées. 200 000 étaient destinés pour Alger et 100 000 pour la wilaya de Blida. Malheureusement, pour des problèmes de terrain d'assiette, d'un appel d'offres infructueux, cette SEDEM n'a pas vu le jour. Donc l'appel d'offres est en cours de relance par les services du ministère de l'Énergie. C'est pourquoi on est allé pour l'Algérois vers des solutions plus rapides. Et on a mis en œuvre à partir du mois de mars trois stations de dessalement pour l'Algérois, une station de dessalement pour Tipaza, une station à Bousmaïl pour 10 000 m3, une station à Zeralda pour 10 000 m3, une station à Palom Beach pour 5 000 m3, une station à Ain Benyan pour 10 000 m3. Les travaux avancent très bien et on commence à mettre la première station de Palom Beach ce mois de juillet, donc entre le 15 et le 20 juillet. On mettra la première station monobloc. C'est vrai que c'est une petite capacité de 5000 m3, mais elle permettra de régler le problème en matière de ressources dans cette région. Alors, M. Smaïn Amnerouch, moi je voudrais revenir un peu sur tous ces aspects par rapport à cette alimentation de l'eau potable qui coule de moins en moins dans les robinets, à toute situation d'urgence, mesure d'urgence. On parle de l'Algérois particulièrement, les wilayas qui sont concernés par cette situation hydrique extrêmement difficile en raison bien sûr du manque de pluviométrie. Il va y avoir au niveau par exemple de l'Algérois la réalisation de pas moins de 4 stations de dessalement d'eau de mer qui vont être réalisées dans les médias. On parle de la station de Fouca qui va entrer en fonction à partir de ce 15 Palm Beach à partir de ce 15 du mois, c'est-à-dire le mois prochain, le mois de juillet. D'autres stations aussi seront réalisées.
Mais est-ce que c'est la solution pour toute cette région, puisque vous avez Blida, on ne peut pas avoir les dessalements, comment faire? Donc, on va recevoir et on va mettre en service 4 stations qui sont en chantier aujourd'hui, hein, mois de juillet et mois d'août, on va les mettre en service. Celle de Palme-Jussan durant cette semaine, 3 nouvelles stations de dessalement seront lancées. Une à bateau cassé, qui fait un pour 10 000 m3. Une deuxième de 60 000 m3 jour au niveau d'El-Marsa, la commune d'El-Marsa. Et la troisième à Corso pour 80 000 m3 jour. Les financements sont en train d'être mis en place par les banques avec l'AEC. Donc, vous savez, comme vous le savez, le dessalement est du ressort donc, du ministère de l'Énergie et des Mines. Mais il faut des études préalables aussi. Oui, les études sont bien avancées, ils avancent très bien. On va réaliser des monoblocs. À l'inverse des stations traditionnelles, j'allais dire. Comme celle de l'Hamma, par exemple. De l'Hamma, de dessalement, qui prennent une moyenne de 30 mois de réalisation. Les stations monoblocs, c'est entre 4 à 10 mois maximum. Donc on peut réaliser, acheter, poser, raccorder. Une station monobloc de dessalement, ce sont deux conteneurs. Hein. Les conteneurs, on les raccorde, on met la prise en mer, on raccorde sur le réseau public de distribution et on a une station de dessalement en 4 mois, en 4 mois et demi, en 5 mois, de dessalement, pardon, en 4 ou 5 mois. Ces 3 nouvelles stations qui seront lancées incessamment vont produire 150 000 m3 jour. 150 000 m3 jour, c'est un peu plus du quart de ce qu'on ramène aujourd'hui à partir des autres surfaces. Donc là, c'est important. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la grande station de dessalement qui fait 300 000, mais maintenant qui fera moins parce qu'on a eu un terrain pour 4 hectares et demi. Donc il va faire quelque chose comme 250 000 et destiné pour donc renforcer l'alimentation en eau potable de l'ouest d'Alger et de Blida en même temps. Donc Blida sera renforcée par les eaux dessalées à partir de la future station de dessalement de Fouque. De 250 000 m3. Donc ça, c'est pour l'Algérie. À l'échelle nationale, donc la deuxième problématique ou préoccupation, c'est l'Ouest. Donc comme vous savez, il y avait une station au niveau de Tlemcen qui produisait, la station Souktlate, qui produisait, qui était dimensionnée pour 200 000, qui a connu des problèmes et qui est à l'arrêt depuis octobre 2019, et pour laquelle on a proposé une nouvelle station réalisable en 12 mois, pour une production globale de 73 000 m3. La même chose pour Oran, pour sécuriser l'alimentation en eau potable d'Oran, on a une grosse station, la station Mekta, qui devait théoriquement produire 500 000 m3, mais qui tourne autour de 50% à 60% de sa capacité, entre 250 à 290 000, et pour lesquels des travaux de réhabilitation vont être lancés par l'AEC, l'Algérienne Energy Company. Il y a aussi une nouvelle station au niveau d'Oran pour une production de 200 000. Et M. le ministre, lors de sa visite à la wilaya d'Oran, il y a une semaine, a visité le terrain d'assiette où sera implantée cette station. Sur le schéma global de dessalement à travers le territoire national, à l'horizon 2030, 50% de l'eau potable va provenir de l'eau dessalée. Donc on va lancer aussi une station de dessalement au niveau de Cap Djinnet, pour 200 000, donc pour renforcer Alger, la partie est d'Alger et une partie de Boumerdès. Une nouvelle station de dessalement sera lancée dans la localité de Temda, dans la commune de Tixirt, pour renforcer la partie nord de Tizi Ouzou. Et les deux mêmes pour la station de Djaya, 50 000 extensible à 100 000 m3. Elle sera aussi lancée incessamment dans le même sillage. Une nouvelle station pour Skikda, pour 100 000 m3 aussi, et la nouvelle station pour Annaba, Tarf, également 300 000 m3 à Achat au niveau de Tarf. Mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers une optimisation de l'exploitation des stations de dessalement, puisque comme vous l'avez indiqué, la station de Mekta du côté de l'Oranie ne fonctionne qu'à 50% de ses capacités. Et certains disent que même celle d'Alger ne fonctionne qu'à 70% de ses capacités. Mmh. Quel est votre commentaire justement par rapport mon commentaire à cette question? Mon commentaire est le suivant. L'optimisation? Sur les 11 stations de dessalement implantées sur le littoral algérien, il y a deux stations qui ont posé problème. La station Souktlate qui est à l'arrêt et la station de Mekta qui fonctionne à 50% de sa capacité. Pour quelle raison?
parce que le process de traitement, le process utilisé dans la réalisation n'était pas le plus adapté pour la qualité de l'eau au niveau de Serige. Donc, la station de Sauctelette au niveau de Tlemcen sera remplacée par une nouvelle station en attendant de lancer les travaux de réhabilitation. La station de Mekta sera maintenue en fonctionnement, ne s'arrêtera pas, et les travaux de réhabilitation seront lancés incessamment pour l'AEC pour augmenter sa capacité de production. Sinon, toutes les autres stations de dessalement fonctionnent avec un rendement technique d'environ 98%. Le Hamma fonctionne aujourd'hui à 200 à 200 000, à 198 000 mètres cubes jour, sur une capacité nominale de 200. C'est vrai qu'il y a des arrêts techniques, des pannes. Ça, c'est des choses qui arrivent au niveau des stations. Mais lorsqu'il n'y a pas de raison technique et la station fonctionne, la production est correcte par rapport à la production nominale de la station. Mais aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre des mesures d'urgence qu'on aurait pu éviter il y a 3 ans de cela, puisque vous avez cité par exemple la station de dessalement qui devait être réalisée du côté de Serralda. Elle n'a pas pu aboutir pour des problèmes de procédure. Or qu'aujourd'hui, on trouve le foncier, on trouve tout. Est-ce qu'il ne fallait pas agir à ce moment-là? Pour un problème de foncier, on n'a pas pu Oui, réaliser. oui, c'est vrai C'est qu'il y la a eu ce... bureaucratie qui continue aujourd'hui à compromettre les plans qu'on doit mettre, qu'on met en place pas pour assurer l'alimentation. Pas uniquement, donc l'appel d'offres a été lancé dans le temps, l'appel d'offres était infructueux. Donc lorsqu'on a réglé le problème de terrain, c'est l'appel d'offres qui était infructueux. Donc les investisseurs n'étaient pas trop intéressés à l'époque d'aller investir dans le dessalement. Maintenant, de nouvelles perspectives se présentent et tout ce programme de dessalement sera remis sur la table, financé et lancé sur terre. Mais est-ce qu'il ne fallait pas lancer les alertes, les premières alertes, à partir du moment où vous avez vu, vous avez cette question de l'auditeur, le niveau de barrage baissé il y a aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de suivi du niveau des barrages? Nous sommes à moins de 15%, n'avez-vous pas des agents sur le terrain qui alertent dès qu'on arrive à, pratiquement à moins de 50%? Eh bien, tous nos barrages sont surveillés par des systèmes de télémétrie. On connaît le niveau à tout moment et les données sont transmises quotidiennement par l'Agence nationale des barrages et transferts au ministère. Donc nous connaissons à tout moment le niveau des barrages. Nous suivons donc les apports au niveau des barrages. Donc, les volumes lâchés pour l'irrigation, les volumes lâchés pour l'alimentation en eau potable, et nous avons des données exactes quotidiennes. Pour certaines zones, donc, des dispositions ont été prises, et je pense que vous l'avez constaté à Alger, on a commencé des coupures au mois de septembre 2020, des coupures de nuit pour réduire le soutirage. Alger consomme environ 1,2 million de mètres cubes jour, et dans certains quartiers, on a constaté qu'il y a énormément de piquages et laissés. Beaucoup de fuites, beaucoup de déperditions d'eau. On a commencé à couper à partir de 23h, entre 23h et 25h, et 5h du matin, pour ne pas gaspiller trop d'eau. Donc il y a des dispositions techniques sur le système qui a fait que, au lieu de tourner avec 1,2 million de mètres cubes jour pour Alger, on a fonctionné en général avec 1 million, 1,1 million, et ce qui nous a permis de maintenir le niveau de certains barrages jusqu'à maintenant. Mais quand vous parlez de niveau élevé de consommation d'eau au niveau de l'Algérois, 1,2 million de mètres cubes jour, vous parlez beaucoup également de certains endroits de fuite et de déperdition d'eau. Est-ce qu'on peut considérer que le partenaire étranger qui devait prendre en charge tous ces aspects n'a pas réalisé sa part du contrat? Vous savez, dans le contrat arrive à terme, hein, pratiquement. Oui, le contrat arrive à terme. C'est un contrat commercial entre le partenaire étranger et l'ONA et l'Algérien des eaux. Donc il arrive à terme le 31 août avec Suez. 2021. Le partenaire étranger n'avait pas à sa charge la réhabilitation de la totalité du réseau. Dans le contrat, il y a la réhabilitation moyenne de 50 km de réseau par an, ce qui a été fait. Mais il faut savoir que la longueur du réseau d'Alger, c'est 5000 km. Donc le gros des travaux de réhabilitation a été fait par la direction des ressources en eau de la wilaya d'Alger et les collectivités locales, surtout la wilaya, sur le financement budget de wilaya. Le taux aujourd'hui, on parle beaucoup de fuites, et bien le réseau d'Alger, le rendement technique tourne autour de 60%. Donc globalement, le réseau d'Alger n'est pas aussi fuyard comme on le pense ou comme on veut le faire comprendre.
Donc, avec un rendement de 60%. À l'échelle mondiale, le rendement technique des réseaux tourne autour de 18%, 20%. Donc, nous pensons qu'avec un léger investissement, on pourra régler les derniers tronçons, rénover les deux tronçons qui connaissent des déperditions importantes et arriver à une moyenne de fuite d'eau. Bien sûr, dans ces pertes d'eau, il y a les piquages et les sites. Il y a encore du vol d'eau, même à Alger. Donc ça, tout le monde le constate aussi. Ça représente combien? Nous estimons que les pertes d'eau, par non-facturation, hein, ça veut dire la consommation d'une eau qui n'est pas facturée, le piquage, tourne autour de 20%. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question. Vous avez parlé de ce plan d'urgence qui a été mis en place, qui est suivi de très près par le président de la République. Quel est son coût et son volume aujourd'hui? Disons qu'à l'heure actuelle, le programme qu'on a mis sur la table pour l'Algérois tourne autour de 40 milliards de dinars. Sans parler des SDEM, parce que les SDEM, c'est un autre financement. Les SDEM obéissent à un financement bancaire, à d'autres sources de financement. Les SDEM, c'est les stations de dessalement. Les stations de dessalement d'eau de mer. Hein. Donc, globalement, si on compte le coût des stations de dessalement, ça va dépasser les 100 milliards, les 150 milliards de dinars en termes d'investissement. À titre d'information, le mètre cube d'eau livré par la station de dessalement du Hama, on est en train de le payer à 125 dinars le mètre cube. Est-ce qu'il va falloir poser un jour cette question et cette problématique du coût de l'eau aujourd'hui consommée par rapport à cette question de dessalement, puisque le coût de revient est excessivement cher? C'est la seule alternative. On doit aller vers le dessalement. Donc on est en train de dire l'eau dessalée coûte 125 dinars. Mais combien coûte le fait de ne pas avoir l'eau? C'est aussi la question que les eaux collectives, la collectivité locale se pose aussi. Donc on doit avoir cette eau, on doit la produire, on doit la distribuer, quel que soit son coût. Pour l'heure actuelle, à 125 dinars le mètre cube, la tendance pour les stations de dessalement est à la baisse. Le Hamma, c'est 120 dinars le mètre cube, parce que c'était parmi les premières stations qui ont été mises en service en 2008. Pour les autres stations qui ont été mises en service en 2013, 2014, 2015, l'eau dessalée tourne autour de 90 dinars le mètre cube. Et pour les stations qu'on est en train de réaliser actuellement, le coût d'investissement, le coût de fonctionnement, on aura un mètre cube d'eau dessalée qui tourne autour de 70 dinars le mètre cube. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la coupure n'est pas une solution. Est-ce qu'il va falloir attendre quelques mois pour aller vers une situation de normalité? Qu'est-ce qu'il faudrait? Avec l'entrée en vigueur de certaines stations à partir de ce mois de juillet, est-ce que ça va rentrer graduellement dans la normalité, c'est-à-dire revenir à la norme d'avoir, par exemple, de l'eau H24, un jour sur deux, la demi-journée? Comment ça va se passer, monsieur Abel? Parce que c'est la question de l'auditeur. Je réponds à la première question de l'auditeur. Les coupures, ce ne sont pas les solutions. Bien sûr. On n'est pas en train de couper pour couper. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour donner à tout le monde en même temps. Ça veut dire qu'on est obligé de couper d'un quartier pour donner suffisamment d'eau, suffisamment de pression pour toucher la population, toucher les étages supérieurs dans un autre quartier. Donc on n'est pas allé vers les coupures pour le plaisir d'aller vers les coupures, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Aujourd'hui, on est en train de distribuer l'eau dessalée, l'eau produite par le forage, et quelques mètres cubes d'eau, quelques milliers de mètres cubes d'eau qui sont encore dans les barrages. Les solutions de remplacement mises en place, qui sont en cours, forage, dessalement, permettent de maintenir cette situation et de commencer à l'améliorer à partir du mois de septembre. Parce qu'il faut aussi dire que même si on va avoir de la pluie l'hiver 2021-2022, on ne va pas s'aventurer de revenir immédiatement vers le H24. On va améliorer les plages de distribution, on va étaler les plages de distribution, mais on va laisser les réserves se reconstituer jusqu'à l'achèvement total du programme de dessalement que j'ai cité tout à l'heure.
Alors, vous avez la DE, c'est un service public par excellence. On nous annonce dès le 26 juin dernier, c'est-à-dire un programme ou des horaires d'alimentation en eau potable par quartier, par endroit, par wilaya et par, bien sûr, région. Et ce n'est pas respecté. Comment les citoyens doivent faire aujourd'hui dans les conditions actuelles? Si on vous dit vous allez être alimenté à partir, par exemple, de 6 heures du matin jusqu'à 14 heures de l'après-midi et ce n'est pas respecté, comment vous allez faire? Donc, vous parlez de la DE à l'échelle nationale. Exactement, de la DE à l'échelle nationale. Donc, il y a, sans parler donc, de la CEAL, parce que la CEAL, oui, c'est une donnée de l'Algérois. La CEAL fait partie de la DE, parce que la CEAL, c'est une filiale. Oui, mais c'est l'Algérois, ça reste Alger, un petit Paza et un peu Bélida, c'est tout. Donc, les programmes de distribution qui sont affichés au niveau des wilayas, au niveau des communes, la DE, les directeurs d'unité au niveau des wilayas, ont l'obligation de respecter le programme de distribution. Dans le cas où ce n'est pas respecté, comme le dit l'auditeur, comment faire? Oui, c'est sûr qu'il y a quelques ratages dans certaines communes, dans certains quartiers, par rapport au manque d'eau, par rapport à l'arrêt des forages, par rapport à l'arrêt pour des raisons d'électricité, par rapport aux pannes, parce qu'avec la chaleur, donc il y a énormément de pannes au niveau des stations de pompage, au niveau des stations de traitement, mais ce que je voulais dire, ce que je, sur lequel j'insiste, il n'y a pas de coupures volontaires. Les coupures sont les résultats d'un manque d'eau, d'une panne pour des raisons électriques, d'une panne pour des raisons mécaniques, ou la baisse du niveau de certains forages aussi. Hein. Il faut savoir que pendant un forage qui donne 20 litres seconde en hiver, des fois dans certaines zones, il ne donne que 10 litres par seconde en été. Alors, on est en train de constater par quartier, par endroit, puisqu'on est dans la capitale où le problème se pose avec acuité, la ruée pour l'achat aujourd'hui des citernes. Vous avez des habitants qui installent des citernes énormes au niveau de leurs immeubles, avec bien sûr des surpresseurs, ce qui ne permet pas aujourd'hui d'alimenter les autres voisins. Comment faire quand on est face à ce type de situation? Un voisin a de l'eau et les autres n'en ont pas. Donc, la réglementation est claire à ce sujet-là. Donc, il est interdit d'installer un surpresseur directement sur le réseau public. Vous pouvez installer un petit réservoir, mais l'eau doit arriver gravitairement. Et ce n'est qu'à partir de votre réservoir que vous pouvez installer un surpresseur. Donc la réglementation est claire à ce sujet. Pour les bâtiments, pour les habitations collectives, plus de 6 étages, ils ont obligation de se doter de citernes et de surpresseurs. Donc les CTADL, les tours de 11 étages, de 12 étages, de 10 étages, ils ont obligation. Maintenant, vous entendez beaucoup de gens qui vous disent « Ah moi, je suis 8e étage. » Ils ont des bâches d'eau aussi. Hein. Oui, la bâche et le surpresseur. Ça, c'est une obligation pour tout bâtiment qui dépasse 6 étages. Mais on voit l'apparition aujourd'hui de vendeurs d'eau, c'est normal. La police des eaux devait être activée. La police des eaux travaille, donc la vente d'eau est réglementée. Les camions citernes qui vendent de l'eau destinée à la consommation humaine ont des autorisations. C'est sûr que vous voyez sur le terrain des camions citernes qui vendent de l'eau pour les chantiers, pour les usines, pour les ateliers. Mais les gens qui vendent de l'eau potable pour la consommation humaine doivent avoir une autorisation délivrée par le ministère. Alors, vous avez les coupures d'eau, vous avez cette question de l'auditeur ou commentaire qui vous dit sont le résultat d'une mauvaise planification. Est-ce que c'est le cas, monsieur? Oui, on peut tout dire, on avait, bah, écoutez, on avait, dit, on avait commencé par dire, on avait la commencé, prévoit depuis 3 ans aujourd'hui. On avait dit que c'est le résultat de 3 années d'insuffisance de précipitations, d'une baisse drastique des volumes au niveau des barrages. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a un grain, un petit grain comme ça, dans la gestion. Parce qu'on le constate dans d'autres wilayas aussi, où il y a beaucoup d'eau, et il y a des contraintes, des coupures des fois. Mais la gestion n'est pas la raison principale. Ah, donc le lavage des véhicules est interdit pendant cette période? Le lavage des véhicules est interdit, M. Loueli d'Alger a réglementé ça. Donc les stations de lavage sont autorisées à travailler des journées et des horaires fixés par la wilaya. Mais quand on parle de l'eau, il y a aussi l'agriculture. Quelle est l'alternative pour l'agriculture? Le recyclage de l'eau. Dans ça, il y a aussi, en parallèle au dessalement d'eau de mer, donc le ministère a mis en place, et ce programme a été approuvé par le gouvernement, d'aller vers la réutilisation des eaux usées et pures.
Alors, qu'en est-il du Chotel Chergui qui devait alimenter la ville de Sidi Bel Abbès? Autre question de l'auditeur. Oui, donc là, Sidi Bel Abbès devait être. Il y a quelques communes qui sont déjà alimentées. Le projet tire à sa fin. Tire à sa fin, donc pour alimenter Sidi Bel Abbès à partir de Chotel Chergui. Chotel Chergui, il est commun à Sidi Bel Abbès et à Tiaret. Donc le projet tire à sa fin. Sidi Bel Abbès, comme j'avais dit tout à l'heure, sera aussi renforcé à partir du Barassikek et de la station de dessalement Hounay. Le projet tire à sa fin, donc il sera mis en service au mois de juillet 2021, ce qui va donc sécuriser. Et aussi, il ne faut pas oublier que Sidi Bel Abbès est alimenté aussi à hauteur de, je pense, 10 ou 11 communes à partir de Châtelain. Alors la nappe au niveau de la Mitidja a fait l'objet d'une décision politique pour qu'elle soit réservée exclusivement pour le secteur de l'agriculture. Qu'en est-il réellement de cette décision? Est-ce qu'on va faire fi aujourd'hui de cette décision puisqu'on va aller forer? Oui, donc là la décision a été de destiner ultérieurement donc, la nappe de la Mitidja pour l'agriculture à la mise en œuvre et à l'achèvement de tous les programmes de dessalement qui sont inscrits et qui sont en cours de lancement. Merci M. Smaïna Merouch d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, en espérant bien sûr que les choses reviennent à la normalité. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Au revoir.